Le tribunal criminel. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Mamoudou Konté. Vous pouvez continuer, Monsieur Conté. Bon. Temedissar Mirma. La femme était adossée au mur. Je l'ai vu dans l'état de fatigue totale. Elle disait oui nene, oui nene. Ce garçon est venu, celui qui a les torchons attachés autour de sa tête comme ça avec un couteau. Il y a le kori au niveau du front ici. Il avait le couteau. Il l'a mis à la gorge de la femme. Il l'a égorgé. Il est parti trouver un autre jeune, peut-être, qui était fatigué, qui était presque à l'agonie. Il a assommé ici aussi, il a percé ici. Avec le couteau. Il regardait les gens, ceux qui étaient fatigués, pour les terminer, il les donnait des coups de grâce. On était adossé au mur, on était sûr que nous aussi on n'allait pas sortir. Donc, ceux qui étaient à la porte ne pouvaient pas sortir. Et criaient aussi Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ce groupe-là qui est tombé. Nous nous avons monté sur le groupe là pour sortir de la cour. Il y avait une dame aussi qui était de Conté, ne me laisse pas si elle était fatiguée, mais je ne pouvais pas moi-même plus. Nous sommes sortis de la cour maintenant, il y avait les gendarmes, il y avait les policiers. On t'arrête, on te fouille. Ce qu'on trouve là-bas, on te prend ça. Ils m'ont pris moi mon téléphone Nokia. Ça c'est un policier. Bon, j'avais caché mon argent ici dans le caleçon. Ils n'ont pas vu ça, on a pris la fuite. On est au salle de sport. Nous sommes rentrés dans le stade du sport, palais du sport. Monsieur le Président, Remeneli, Menmakinikini. Monsieur le Président, si vous rentrez là-bas, ça fait pitié. Béret rouge na menkui. Il y avait des bérets rouges dedans. Guinée neire wankira. Ils avaient les femmes à leur disposition. Celui qui était à la porte. Ça, ina nadera biyasa nganto malobeno na. Dès que vous rabattez la porte, la première personne que vous voyez à cette distance là où se trouvent les avocats, il avait une femme. Il a la femme ici, il a de l'autre côté le fils ici. La femme était accroupie là-bas, il faisait son rôle en même temps, il détenait l'arme. Voilà. Il tire, ce que vous rentrez là, vous ressortez en courant.
C'est dans ça que nous avons pris la fuite. Maintenant, nous sommes partis dans le terrain annexe. Pour sortir de l'autre côté pour aller vers l'Andrea. Ils avaient tiré sur un fil aussi. Ça s'est tombé sur un côté de cette porte-là. Ils ont mis encore les pointes sur les bois. Ils ont déposé ça à la porte, là où les gens doivent sortir. Les premiers groupes là, plusieurs personnes, ils ont marché sur les pointes là. Nous sommes venus sortir dans ça. Nous sommes rentrés dans le quartier. J'ai vu le chauffeur à Sidia Bangali. Il était avec l'ami de Sidia dans la voiture, Monsieur Tam. Il m'a appelé. La voiture, c'est une voiture Pajero. Il compte. Il monte, je suis monté. Bon, j'étais fatigué, je ne pouvais pas redescendre ça à la chaleur là-bas. J'étais étouffé. Bon, je ne vais pas rester ici, je cherche l'air pour respirer. Je suis fatigué. Je suis sorti de la voiture, je suis tombé. Je voudrais rentrer dans, chez une femme à l'Andrea là-bas. Cela a fait des injures et m'a insulté. Il a appelé même les policiers, les gendarmes. Il a appelé même les gendarmes de venir me prendre. Donc, Nagato, Ranloumeni, nous sommes en problème. Bon, j'ai trouvé, si je reste chez elle là-bas, je vais avoir des problèmes. Nagato, j'ai vu les militaires qui prenaient les gens sur la route. Il les cassait. Les coups, les fractures, j'entendais le son. J'ai trouvé un autre garçon courbé, il y a quelque chose sur son dos comme voilà. Ça. Celui qui indiquait les gens, celui qui avait quelque chose bossu sur le dos, c'est lui qui indexait les gens. Voilà. Donc j'ai pris le courage, si je veux mourir, je dois mourir. Je suis sorti maintenant, j'ai pris la route. Il y a une femme qui m'a appelé, c'est une sœur, elle s'appelle Ma Bangura. Nous sommes tous nés à Kolea Domino là-bas. Bon, c'est l'oncle, c'est la fille à l'oncle à ma maman. Il mon grand frère. Je ne l'ai même pas entendu. Il est sorti de sa maison, il est parti me prendre sur ma chemise, je décide de me tirer. Il m'a fait rentrer dans sa maison. Il nous a apporté le manger, je dis non, je ne veux pas. Il nous a apporté le jus, je dis non, je ne veux pas. Et qu'est-ce que tu veux? Donnez-moi de l'eau. Ils ont envoyé un bidon de 4 litres. Monsieur le président, avec votre permission, la chemise que son mari m'a remis, la chemise est là, monsieur le président. Je vais vous montrer la chemise. C'est la chemise là. Je garde ça. Le mari à Ma Bangura, c'est la chemise là qui m'a donné. C'est non ce que j'ai porté. La Ma Bangura là, c'est qui ça? Pivi Amagine, sa sœur Nadine Ramba Nadira Mohamed Nana Ma Bangura Tarekina Mana Maria. L'enfant que c'est là a fait, le garçon là a épousé la sœur, la grande sœur Ma Bangura. Nadine Ransing Bari, son le premier d'enfant qui est né. Nadi Bar Lorenre, le jour où ce dernier est né. C'est ce jour-là que Dadis a eu le pouvoir. Ils ont donné le nom là à Dadis.
Je suis sorti de cette maison-là vers 17h. J'ai emprunté les corniches de l'Andrea. Justice Conakry de Rameni. J'ai passé par la justice Conakry de. J'ai traversé les rails, je suis rentré dans le coin. J'ai trouvé tous mes amis assis là-bas d'esprit, ils pensaient que quelque chose m'est arrivé. J'ai trouvé le grand frère à cette ma Bangoura là, Tolo. Dieu m'a sauvé, mais c'est grâce à ma Bangoura, ta soeur, ma petite soeur, voilà. Ce que j'ai vu au terrain, je les ai expliqués ça. Vous ne pouvez pas penser que c'est de la Guinée, ça. Parce que c'est ma première fois. Cette cruauté là, c'est la première fois de voir ça. Ceux qui ont eu des malheurs comme ça, s'ils savaient que ça allait se passer comme ça, personne n'allait aller. Il y a eu des crimes comme si vous envoyez des incultes qui ne connaissent rien, qui sont venus perpétrer ces crimes là. Je suis resté là-bas jusqu'à 20h. Les gens m'appelaient, ils m'appelaient, mais on ne me trouvait pas. Personne ne sait là où je suis. Vers 20h. Je me suis embarqué vers la maison vers 20h. Je suis arrivé. J'ai trouvé le carrefour chez moi, c'était plein. Ce que je dis comme ça, c'est au nom de Dabondi que je dis. Hein. La fédération de Dabondi, la mobilisation qui a été faite là-bas, c'est nous. Je suis venu trouver chez moi plein. Pour les gens, il y a quelque chose qui est arrivé. Quand je suis arrivé, les gens m'ont vu. Je suis rentré m'asseoir. J'ai donné des explications comme ça se passait au terrain. Quand les gens sont retournés, je me suis lavé. Je suis rentré maintenant manger, me coucher. Rien d'autre n'avait passé si ce n'était pas ça. Monsieur le Président, si vous me demandez, c'est ce que je peux donner comme explication. Il y a une déception pour moi quelque part. Le fait que je suis les partis politiques là, j'ai connu toute la Guinée. Dans ces démarches là, je tends la main à tous les Guinéens. Tous les Guinéens, c'est une seule maison, une seule famille. Mais dans toutes ces marches-là, c'est le temps que j'ai fait à Zérékouré, je n'ai pas fait ça ailleurs. J'ai fait un mois à Zérékouré. Monsieur le Président, j'ai été jusqu'à Zappa. Pour la première fois que j'arrive là-bas, Un jeune forestier m'a aimé. Allons-y, tu vas aller saluer mon grand frère. Il m'a pris sur sa moto, nous sommes partis jusqu'au bout. Nous avons passé la nuit là-bas. La femme dont on appelle Tanti Marie. La présidente de l'Amazonie. La présidente de l'Amazon là. De la forêt. La forêt. Néra Menga Guinée. Leur chef, celui qui est la femme à son grand frère. Voilà. Elle a fait appel à son groupe. Il m'a montré sa moto. Monsieur Conte, vois cette photo là. Celle-là se transforme en Indien. C'est moi ça. Lyon, tu veux dire. L'autre se transforme en serpent pour me montrer le chemin. L'autre, le lézard. Elle m'a expliqué comment toutes ces choses-là peuvent se métamorphoser.
Elle a appelé tous ces gens là, ils sont venus me saluer avec respect. Si celle que je parle, Tanti Marie, si elle vit, je demande à ce que Dieu donne encore plus de progrès. Et ils m'ont apporté du taux qui a la même couleur que les trucs là, couleur chocolat. J'ai mangé ça. Donc ils ont trouvé que je suis quelqu'un conformiste aussi, et aussi ils étaient conformes. Ils m'ont donné leur photo, une de ces photos. Avec lui et son mari, ils m'ont donné des photos. Je suis venu montrer ça au président Sidia dans son bureau. Quand j'ai montré à mon secrétaire général Bakar Goyo Soumanigi, mais Conte, tu es parti jusqu'au là-bas? J'ai dit oui. Mais pourquoi maintenant? Non. Mais pourquoi tu es parti là-bas? La sensibilisation de parti. Je suis parti pour sensibiliser le parti. Donc vraiment, j'ai tissé des amitiés avec des gens là-bas. Là-bas aussi, on doit poser les cellules de parti là-bas. Donc, Nabir Naba n'est rien. Tout ça là, dans mes démarches, j'ai eu ça. Dans l'amitié, quand on me disait que le groupe de Dadis que pouvait venir commettre des crimes comme ça, moi j'allais te dire que non, les forestiers que je connais, ce n'est pas les forestiers. Ce n'est pas les forestiers, c'est un groupe qui est avec Dadis qui ont commis des dégâts. Parce que ils sont avides du pouvoir avec l'argent, que l'argent que corpore le pouvoir. Donc c'était pour faire du mal aux gens, pour ne pas perdre ça. Sinon, là où je suis été, les forestiers, ils sont bien. Ils accueillent très bien. Voilà. Parce que Marfouta là-bas. J'ai fait le Fouta, j'ai fait la Haute-Guinée. Mais sincérité dans toute forêt. La sincérité que j'ai vue en forêt là-bas. Quand vous me demandez de faire la politique, moi, ma base, la force, ce sera la forêt. Donc, monsieur le président. Ce que je vais dire, monsieur le président. Je vous donne tous ces parcours-là. C'est pas la population qui décide, c'est des personnes responsables qui décident. Ils intoxiquent l'esprit des gens pour faire du mal. C'est ce qui s'est passé, monsieur le président. Bon, c'est ça. Et ça, c'est avec la bénédiction de tous les Guinéens.